Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma routine retour de vacances, puisque on n'en parle jamais, toujours on vous montre comment préparer ses vacances. Et le retour de vacances est une question d'organisation euh, et franchement. Il vaut mieux être organisé parce qu'on n'a pas envie de défaire ses valises, on est déprimé d'être rentré de vacances. Donc, je vais vous donner un petit peu mes astuces. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'avant de partir en vacances, j'essaye toujours euh, de faire le ménage avant de partir si je, si je peux ou de ranger au maximum ma maison, de ne pas laisser de linge sale dans la panière, de ne pas laisser de repassage en attente vraiment pour, euh, ben, pour avoir rien à faire quand je reviens. Alors, quand je reviens, justement, ce que je fais, c'est que je prends mon linge sale euh, de vacances et je le mets directement dans la machine. Pendant que la machine Tourne, du coup je gagne du temps et je peux ranger mes affaires propres. Je défais ma valise et ensuite je la lave puisque ma valise a souvent traîné dans les aéroports par terre. J'ai des sacs mous que je peux mettre en machine, je les lave aussi. Ensuite j'étends le linge, voilà tout simplement. Et une fois en fait que j'ai fini d'étendre le linge, eh ben moi, je vais pouvoir enfin m'occuper de moi, me bichonner euh, pour euh, vraiment ensuite pouvoir me reposer. Alors j'arrive maintenant à l'étape où je m'occupe de moi et quand je m'occupe de moi, ben, qu'est-ce que je fais Je commence tout simplement par purifier mon visage, vraiment le décrasser en profondeur, euh, me faire un, des soins pour le visage vraiment. Et ensuite, pareil, je fais pareil avec mon corps, je me fais un gommage pour le corps, je me lave, parce que dans les transports, selon ce que vous avez pris comme transport, bah, c'est long. Voilà. Ensuite, donc, je fais refais mon épilation, donc euh, épilation des jambes, épilation des sourcils, et ensuite je vais refaire ma manicure parce que des fois bah, on a le petit vernis qui est parti, en vacances, on n'a pas forcément le temps de le faire. Et voilà, j'ai terminé, j'ai ma maison propre, j'ai mon linge rangé, je me sens propre, je peux enfin me...